Un expert royal a révélé les dessous d'une photo de Meghan lors du jubilé de la reine. Le 2 juin dernier, à l'occasion du jubilé de platine de la reine, Meghan Markle et le prince Harry ont assisté à la parade Trooping the Colour de manière très discrète. En effet, le couple a eu l'interdiction d'apparaître au balcon de Buckingham Palace. C'est donc de la fenêtre de la Horse Guards qu'ils ont regardé les festivités. Une photo a d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux. On peut voir Meghan Markle en train de faire chute de la main à une petite fille. Un expert royal a d'ailleurs expliqué dans les colonnes de « Voici » les dessous de cette image. Il révèle que si la mère d'Archie et de Lilibet demande à la fillette de garder le silence, c'est parce que cette dernière et le prince Harry sont arrivés en retard, elle lui a fait ce signe pour lui demander de ne pas dire qu'ils étaient arrivés en retard, parce que les enfants étaient en train de rire. La raison de leur retard, Meghan Markle et le prince Harry sont arrivés en retard ce jour-là, car ils devaient tourner des scènes pour leur nouvelle émission de télé-réalité en collaboration avec Netflix, ils étaient déjà en mode tournage. Les équipes ont filmé allègrement et longuement Harry et Meghan en train de se préparer pour pouvoir se rendre à la cérémonie du défilé militaire, explique l'expert. Ce dernier conclut en révélant que cette apparition surprise était très importante pour les parents de Lilibet et Archie, ils ont voulu se montrer volontairement. C'est important pour eux de montrer qu'ils font encore partie du clan de la famille royale.